Everlasting Father, the good and gracious God, the creator of the heavens and the earth, the maker of the universe, the one that sits on the throne, the throne that rules the universe, the visible and the invisible, the God Almighty, our Father, we thank you, Lord, that you can give us such wonderful opportunity that we can come into your presence and learn of you and sit on the table with you and negotiate for our lives, for our children, for our family, for everything that concerns us. We thank you, Father God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. You sent forth your word and healed them and delivered them of every destruction. We pray tonight that your word will come forth to us in power, in conviction, to break every yoke, to heal us of every sickness, physical or spiritual. Holy Spirit of God, we call upon you to have your way. Every contending spirit will put you out now. Every contrary spirit will shut you down. Every oppressing spirit will bind you and we cast you away. And we pray, O Spirit of the living God, that you move into our lives, even as many as are watching even from their homes, and as many as will watch later, O God, as long as they receive your word, may your power be made manifest in their lives. Have your way, O God, our Father. Have your way, Lord Jesus. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Let's say amen as we take our seats in his holy presence. Disons amen alors que nous nous asseyons dans sa sainte présence. Hallelujah. Hallelujah. We have come to the fifth day. Nous sommes arrivés au cinquième jour. Of our retreat. De notre retraite. And we see that the stakes are rising. Nous voyons que les enjeux sont en train de se lever. In his negotiations, dans ses négociations, Satan's negotiation with God, les négociations de Satan avec Dieu, the stakes are rising. Les enjeux montent. And he's giving God another point to negotiate on. Et il donne à Dieu un autre point sur lequel négocier. And God, et Dieu, is stepping in. Est en train d'entrer en jeu. Let's go look at our text for today. Regardons notre texte d'aujourd'hui. Job chapter 2. Job chapitre 2. And let's do from verse 1. Et regardons à partir du verset 1. Somebody read. Que quelqu'un lise. Start from verse 1. Give them a microphone. Donnez-leur le micro. Verset 1. Again, there was a day when the sons of God came to present. To present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" Satan answered, Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth and from walking back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity? Although you incited me against him to destroy him without cause." So Satan answered the Lord and said, "Skin for skin, yes, all that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face." And the Lord said to Satan, "Behold, he is in your hand, but spare his life." Behold, he is in your hand. Voici, il est dans tes mains.
but spare his life. Mais épargne vie. We are seeing nous sommes en train de voir that Satan's excuse que l'excuse de Satan for his failure with Job pour son échec avec Job was that it was not Job that was directly touched, that was directly affected. C'était que ce n'était pas Job qui était directement touché, qui était directement affecté. He had said to God, il avait dit à Dieu, if you touch everything that he has, si tu touches tout ce qu'il a, he is going to curse you. Il te maudira. And God gave him permission, et Dieu lui avait donné la permission, to touch everything, de toucher tout, that Job has. Ce que Job avait. And he touched it. Et il les a touchés. But Job did not abandon God. Mais Job n'avait pas abandonné Dieu. And we are learning et nous sommes en train d'apprendre that we don't serve God. Que nous ne servons pas Dieu. We don't worship God. Nous n'adorons pas Dieu. Only by reason of the things he gives to us. Seulement en raison des choses qu'il nous donne. We serve God. Nous servons we Dieu. We worship God. Nous adorons Dieu. Because he is God. Parce qu'il est Dieu. And so even if someday même si un jour you were to wake up tu devais te réveiller and you don't have any of these things anymore. Et que tu n'as plus aucune de ces choses. Our worship of God notre adoration de Dieu should not be tied, ne devrait pas être restreinte, tied, liée to these material things. À ces choses matérielles. So Satan, alors Satan has seen that he failed. Avait vu qu'il a échoué. Now he comes to God. Maintenant il vient vers and Dieu. And he says to God. Et dit à Dieu. The reason why Job could still continue to worship you. La raison pour laquelle Job a toujours pu continuer à t'adorer. Is because. C'est parce que. What happened to him? Ce qui lui est arrivé. He was not directly affected. Il n'était pas directement affecté. Excuse me, Satan. Excuse-moi, Satan. You took the man's wealth. Tu as pris la richesse de l'homme. You destroyed everything he has. Tu as tout détruit ce qu'il avait. You killed his children. Tu as tué ses enfants. How is he not directly affected? Comment est-ce qu'il n'est pas directement affecté? But he just would not give up. Mais il ne pouvait juste pas abandonner. You know, Satan understands. Ouais, Satan comprend. Some very important things about life. Certaines choses très importantes concernant la vie. Some very basic truth, certaines vérités fondamentales in life, de la vie, and this is what he understands. Et voici ce qu'il comprend. Some people, certaines personnes, will kill, tueront, when you touch their possessions. Quand tu touches leurs biens. I told us the other day of an encounter that we had with this man pastor that had bought a brand new Mercedes Benz. Je nous ai parlé de la rencontre que nous avons eue une fois avec ce pasteur qui avait acheté une nouvelle Mercedes Benz pimpante. The least thing that scratched that car. La moindre chose qui égratignait ce véhicule. He did not care about the people that were in the car. Il ne se souciait pas des personnes qui étaient dans le véhicule. His concern was his car. Son souci était son véhicule. My Mercedes. Ma Mercedes. My Mercedes. Ma Mercedes. And Satan has come to know. Et Satan est arrivé à savoir. Because that is how he wires people. Parce que c'est comme ça qu'il règle les gens. That some people will kill if you mess up with their material possessions. Parce que certaines personnes tueront si tu touches leurs biens. Now don't get me wrong. Ne me prenez pas. A man's acquisitions are important to him. Les acquis d'un homme lui sont importants. And it is not given to another person to waste it. Et ce n'est pas donné à une autre personne pour gâcher. And when the person reacts, et quand la personne réagit, you say, ah, tu es trop attaché au matériel. Ah, you are too tied to wealth. No, you can't say that to somebody until you get your own. Non, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un jusqu'à ce que tu obtiennes ta part. So that's not what we are saying. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train but de parler. The point we are saying is this. Mais le point que nous sommes en train de ressortir, material c'est ceci. Material possessions are good. Les possessions matérielles sont bonnes. But don't kill because you have lost them. Mais ne tue pas parce que tu les as perdues. And this is why. Et voici pourquoi. Satan destroyed all of Job's possessions. Avait détruit toutes les possessions de Job. But mais that did not hinder Job. Ça n'avait pas empêché Job. Job was still steadfast with his God. Job était demeuré ferme avec son Dieu. And so, et ainsi, he came up with another bargain. Satan came up with this other bargain with God. Satan est venu avec cet autre marchandage avec Dieu. He says to God, il a dit à Dieu, since
This thing you did not affect him personally. Puisque cette chose que tu as faite ne l'a pas affecté personnellement. He says to God, il dit à Dieu, stretch out your hand, étends ta main, and touch his bone and his flesh, et touche ses os et sa chair, and he will surely curse you. Et je suis celui qui te maudira. You see what Satan is trying to do here? Vous voyez ce que Satan est en train d'essayer de faire ici? He's trying to bring Job back on the negotiating table again. Il veut ramener encore Job à la table de négociation. He's trying to use Job as the bargaining chip. Il veut utiliser Job comme l'objet de marchandage. He had tried with what Job had, but it did not work. Il a essayé avec ce que Job avait, mais ça n'a pas marché. And God had looked at the whole thing. Et Dieu a regardé tout. When Satan now comes with this second bargain. Quand Satan est maintenant venu avec ce deuxième marchandage. Now God looked at the whole thing. Dieu a regardé toute l'affaire. And God permitted Satan to touch Job. Et Dieu a permis que Satan touche Job. But mais he put a limit to what Satan could do. Il a placé une limite sur ce que Satan pouvait faire. God said to Job. Dieu a dit à Job. His life. Sa vie is sacrosanct. Est circoncis. His life is sacred. Sa vie est sacrée. Don't touch his life. Ne touche pas sa vie. You can affect his body. Tu peux affecter son corps. You can touch his life. Tu peux toucher sa vie. You can do everything about his life. Tu peux tout faire par rapport à sa vie. Listen. Écoute. When we started this lesson, I told us. Quand nous avons commencé cette leçon, everything we are talking about Job. Tout ce dont nous sommes en train de parler par rapport à Job. It's not, we are not looking at some Job some thousands of years ago. Nous ne sommes pas en train d'étudier un Job. Qui a vécu we are talking about you. We are talking about me. Nous parlons de toi, nous parlons de moi. And when God said to Satan, et quand Dieu avait dit à Satan, his life is sacrosanct. Sa vie est sacrée. That's what God is saying about you and me. C'est ce que Dieu est en train de dire de your toi et de moi. Your life is sacred. Ta vie est sacrée. Life is sacred. La vie est sacrée. No man can touch your life. Personne ne peut toucher ta vie. No man can go beyond the limits that God has set. Personne ne peut aller au-delà de la limite que Dieu a établie. You see, God was so sure. Ouais, Dieu était tellement sûr of his man Job. De son homme Job. That he was willing to use Job. Qu'il était prêt à utiliser Job. Even further to prove his point to Satan. Plus loin pour prouver son argument à Satan. The point here is this. Le point ici c'est ceci. God knew. Dieu savait what Satan did not. Ce que Satan ne connaissait pas. Don't get me wrong. Ne me prenez pas. There's no doubt that Satan knows a lot. Il n'y a pas de doute que Satan connaît beaucoup. But there are still very important things that Satan does not know. Mais il y a encore des choses très importantes que Satan ne connaît pas. And so no matter what you are going through. Alors peu importe ce par quoi tu passes. Learn to hold on to God. Apprends à t'accrocher à Dieu. Because God cannot allow anything to happen to you. Parce que Dieu ne peut pas permettre que quoi que ce soit t'arrive. That is beyond you. Qui soit au-delà de toi. That is beyond your ability. Qui soit au-delà de ton habileté. That's why even the word of God says, no temptations can come upon you that you cannot handle. C'est pour ça que même la parole de Dieu dit, aucune tentation ne peut te subvenir que tu ne puisses pas gérer. Anything that you are meant to do. Tout ce que tu es supposé faire. And anything that is happening to you. Et toute chose qui t'arrive. Is because. C'est parce que. God knows. Dieu sait. That you can handle it. Que tu peux gérer. That you are able to withstand it. Que tu es capable de supporter. God can never allow anything to happen to you that would kill you. Dieu ne peut jamais permettre que quelque chose t'arrive et qui te tuera. Have you heard the English expression that what does not kill you makes you strong? Est-ce que tu as entendu l'expression anglaise qui dit ce qui ne te fortifie, ce qui ne te tue pas te rend fort? And God's objective. Et l'objectif de Dieu is to raise people est de susciter des who personnes are strong enough qui sont assez forts to stand, pour tenir, to sit pour s'asseoir in positions dans des positions of influence d'influence without giving up. Sans céder. And when God et quand Dieu allows something to happen to you, permet que quelque chose t'arrive, it's because c'est parce he que knows that you are able to handle it. Il sait que tu es capable de gérer. After all, après tout, who made you? Qui t'a créé?
When we were in primary school, we used to do this. Who made you? God made me. Quand on était à l'école primaire, on disait que oh, qui t'a créé? Dieu m'a créé. The God who made you. Le Dieu qui t'a fait. Knows what He has deposited in you. Sait ce qu'il a déposé en toi. And because of what He has put in you. Et à cause de ce qu'il a mis en toi. He knows that you are more than able to handle whatsoever it is. Il sait que tu es capable, plus qu'assez capable de gérer. Quelque situation Now, que ce soit. Am I saying that it is easy? Est-ce que je suis en train de dire que c'est facile? Far from it. Loin de là. Easy. Facile. Is never one of the things that God has promised you and I. La facilité n'est jamais l'une des choses que Dieu t'a promise. You never see where God promised you easy. J'ai jamais vu là où Dieu t'a promis la facilité. Non. Non. As long as we are still putting on this body of corruption, aussi longtemps que nous sommes revêtus de ce corps corrompu, easy is not going to be a language that God will use with us. Facile ne sera pas un langage que Dieu utilisera avec nous. But accomplishment, mais accomplissement, fulfillment, accomplissement, attainment, it will come to pass. Ça va getting it done. Reaching fait. Your goals, atteindre accomplishing buts, your purpose, accompli tes this buts. Is what God will tell you. Voici ce que Dieu te the dira. In between, et ce qui est it may be challenging, but God has not said it is going to be easy. Que ce sera facile. And this is why, et voici pourquoi, you know, as I'm looking at this story of Job, pendant que je regarde cette histoire de Job, and when I saw all the calamities that came upon him, et quand j'ai vu toutes les calamités qui étaient descendues sur I'm asking myself, je me demandais, oh, I'm saying to myself, ou alors je suis en train de me God, dire, only you can do this. Oh, Dieu seul, toi seul peux faire Because ceci. I don't think parce que je ne pense pas que any person can be permitted to go through this. Toute personne peut, quelqu'un peut être permis de passer par ceci. To go through this kind of situation. De passer par ce genre de situation. I don't know if any person is permitted to. Je ne sais pas si quelqu'un est permis de le faire. Listen. Écoute. As God comme Dieu sits on the negotiating table with Satan. S'est assis sur la table de négociation avec Satan. The subject l'objet of discussion. De la sorry, discussion. I was going to make us to read this scripture. Je voulais nous faire lire cette écriture. Leviticus chapter 17. Lévitique chapitre 17. Verses 10 and 11. Verset 10 et 11. And this is where God is saying. Et voici là où Dieu est en train de dire. About this injunction, read it. Par rapport à cette. Un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Yes. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Il dit, for the life of the flesh is in the blood. Car l'âme de la chair est dans le sang. This is how sacred you are. C'est à ce point que tu es sacré. And God might allow even like all the calamities that came upon Job. Et Dieu pourrait permettre même que tout ce genre de calamité and qui est arrivé sur Job. God can allow that, can permit that. C'est Dieu seul qui peut permettre cela. Because parce que when I looked at it, quand je regarde, in my little mind and understanding, dans ma petite pensée et ma compréhension, I am even crying for Job. Je pleure pour Job. You know, the more we are looking at these lessons about Job, oui, plus nous examinons cette leçon concernant the Job, the more it breaks me. Plus cela me brise. Because when I look at what this man went through. Parce que quand je regarde ce par quoi cet homme était passé, I feel like in our generation, j'ai le sentiment que dans notre génération, we don't have cause to complain. Nous n'avons pas de raison de nous plaindre. Is somebody listening to me? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? We don't have cause to complain. Nous n'avons pas de raison de nous plaindre. For what we go through. Pour ce par quoi nous passons. Because I don't know of any person that has been through what Job went through. Parce que je ne connais pas une personne qui soit passée par ce par quoi Job est passé. And yet Job in that condition could still bow down to worship God. Néanmoins, Job dans cette condition pouvait tout de même se prosterner et adorer Dieu. But mais as God sits on that negotiating table with Satan, comme Dieu s'est assis sur cette table de négociation avec Satan, you and I, toi et moi, is the subject of that discussion. Sommes l'objet de cette discussion.
And what is this about? Et de quoi s'agit-il? Everything about you. Tout ce qui te concerne. Listen to this church. Écoute ceci, église. Everything about you. Tout ce qui te concerne. Is up for negotiations. Est là pour la négociation. I told us before in the first day. Je nous ai dit avant that le premier life jour, is for negotiation. Que la vie c'est à négocier. Everything about life is for negotiation. Tout ce qui concerne la vie est à négocier. And when they sit on that table, the subject of negotiation is you, is me. Et quand ils s'assoient sur cette table, l'objet de la négociation c'est toi, c'est moi. And you say, what about me? What about you? Et tu dis, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? It is everything. C'est tout. Satan is interested est intéressé in everything that concerns you. Tout ce qui parle, tout ce qui te concerne. In everything that concerns me. Par tout ce qui me concerne. Whether it's your family, que ce soit ta whether famille, it's your health, que ce soit whether ta santé, it's your business, que ce soit tes affaires. And this is why, et voici pourquoi, if we don't value these things, si nous ne valorisons pas ces choses, we lose them. Nous les perdons. We see even as far as our children. Nous voyons même aussi même nos enfants. You know, I see some parents. Je vois certains parents. They don't even encourage their children to come to church. Ils n'encouragent même pas leurs enfants à venir à l'église. They don't even bother where their children are. Ils ne se soucient pas même du lieu où se trouvent leurs enfants. And who they associate with. Et avec qui ils s'associent. Can I tell you something? Est-ce que je peux te dire une chose? Satan is interested. Satan est intéressé. If you don't show the interest, si tu ne montres pas l'intérêt, everything is up for negotiation. Tout est là pour la négociation. Your business, tes affaires, you take it casual. Tu prends ça à la légère. You don't pray about it. Tu ne pries pas à ce sujet. Every morning, chaque matin, you get to your business place. Tu arrives à ton lieu oh, de Father, travail. Father, I thank you for this my shop. Tu dis merci I thank Père, you for this my business. Merci pour ma boutique. Because you gave it to me. Parce que tu me l'as donné. It is blessed. C'est it béni, is sanctified. C'est sanctifié, it will prosper. Cela va you prospérer. Don't do that on a daily basis. It is up for negotiation. Si tu ne le fais pas chaque jour, c'est là pour la négociation. You see, and this is where. Et voici là où. When Christians see unbelievers succeeding. Quand les chrétiens voient les non-croyants réussir. We have a tendency to say ill utilise les charmes. Nous avons la tendance de dire they use charms. Et puis quoi? And what? Toi, tu as ta charme. You have your charm. If you don't use your own, don't blame them for using their own. Si tu ne les blâme pas d'avoir utilisé les leurs. Because they understand parce qu'ils comprennent that everything is for negotiation. Que tout est là pour la négociation. If they don't use their charm, s'ils n'utilisent pas leur charme, you see, voyez-vous, God says in the book of Isaiah chapter 43. Dieu a dit dans Isaïe 43. He says, I have redeemed you. Il dit, je t'ai racheté. And you are mine. Et tu m'appartiens. He says, I gave up the Egyptians for you. Il dit, j'ai livré les Égyptiens pour toi. Everything is up for negotiation. Tout ce qui est là est en jeu pour la négociation. If you don't use what God has given you to preserve your own, others will negotiate and get it. Si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné pour négocier ta part, d'autres négocieront et obtiendront. Because parce que it is up for negotiation. Cela est là pour la négociation. You don't want it, tu ne le veux pas. Another person will get it. L'autre personne l'obtiendra. You know, savez-vous? You want a house, tu veux une maison. And you see the property that you want. Et tu vois la propriété que tu veux. The estate, the house that you want. Tu vois la maison que tu veux. And you tell, you negotiate with the landlord. Et tu négocies avec le bailleur. And you think you have negotiated well. Et tu penses que tu as bien négocié. The following day, le jour suivant, somebody comes. Quelqu'un d'autre vient. Negotiate for that same property. Négocie pour cette même maison. Negotiate better than you. Et négocie mieux que toi. And he gets it. Et il l'obtient. Does that happen in life? Est-ce que ça se passe dans la vie? Everything is up for negotiation. Toute chose est là pour être négociée. If we don't understand this fact, si nous ne comprenons pas, we will never appreciate the things we have and take them on a daily basis. Nous n'apprécierons jamais les choses que nous avons. The Bible says in Psalm 138 and verse 8. La Bible dit dans le Psaume 138 verset 8. It says the Lord will perfect that which concerns me. Il dit l'Éternel agira en ma faveur. You know, sometimes I like the way the French Bible gives a thing. J'aime parfois la manière dont la Bible française stipule les choses. You must learn at all times. Tu dois apprendre à tout moment. To call on God, lay everything you have before God so that he can agira in your favor. Appeler Dieu et déposer tout ce que tu as pour qu'il agisse à ta faveur. You have to call God. Tu dois appeler Dieu. Into it. Dedans. Because parce que if you don't bring him into it, si tu ne fais pas entrer Dieu dedans, he will not
stray into it. Il ne va pas se forcer dedans. Life, la vie, is purposeful. Est intentionnelle. And we have to be purposeful in the things we do. Et nous devons être intentionnels dans les choses que you nous faisons. You want God? Tu veux que Dieu? Then bring God in. Sois là, fais entrer Dieu. It's not today you are there and tomorrow you are not. C'est pas qu'aujourd'hui tu y es, demain tu n'y es pas. It's not you want him today but you are not sure whether you want him tomorrow. C'est pas que tu le veux aujourd'hui et tu n'es pas sûr si tu le veux le lendemain. And so God says to Satan, alors Dieu dit à Satan, go ahead, vas-y, touch Job, touche Job, but mais make sure, rassure-toi, you don't hurt him, harm him, kill him, que tu ne le tues pas. Let's look at the consequence. Regardons la conséquence. See, God has already given Satan permission again. Vous voyez, Dieu a déjà donné la permission à Satan une fois de plus. And Satan has gone. Et Satan est parti. The moment he gets that permission, au moment où il a obtenu cette permission, he just runs away to execute. Il s'est enfui, il est allé pour see, exécuter. This is another thing I really find interesting about him. Ça, c'est une autre chose que je trouve vraiment intéressante par rapport à and lui. Yesterday I said he behaved like a child. Et hier j'ai dit qu'il se comporte comme un enfant. But no, watch this. Mais non, observe ceci. Once Satan comes before God, une fois que Satan vient devant Dieu, and God gives him the accord, et que Dieu lui donne l'accord, immediately. Immédiatement. Oh, somebody say immediately. Que quelqu'un dise immédiatement. Somebody say immediately. Que quelqu'un dise immédiatement. Immediately. Immédiatement. Satan leaves the presence of God and does what he says he should Satan do. Satan quitte la présence de Dieu et va exécuter ce qu'il doit exécuter. When we come before God, quand nous venons devant Dieu, and God gives us a word, et que Dieu nous donne une parole, that we are supposed to do, que nous sommes supposés d'exécuter, what do we do? Que ferons-nous? We want to take time and think about it again. Nous voulons prendre du temps pour y penser encore. It is important for the church to understand how life functions. C'est important que l'église comprenne comment la vie fonctionne. Because you see, parce que voyez-vous, if you don't do what you have to do immediately, si tu listen to me, si, you will not do it again. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire immédiatement, écoute-moi, tu ne le feras plus. And that's why, et voilà pourquoi, the moment God gives Satan permission, au moment où Dieu avait donné la permission à Satan, the next verses that you are reading, you are seeing that he has already acted. Le prochain verset, tu vois qu'il a immédiatement agi. Job chapter 2. Job chapitre 2. Let's go look at the consequence. Regardons les conséquences. Read it. Et Satan se retira à face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. This man breaks my heart. Cet homme a brisé mon cœur. You know, savez-vous? I mean, I'm glad that God trusts Job so much. Je suis contente que Dieu ait fait si confiance à. And that he trusts him to the point where he can do any kind of thing with him. Qu'il lui avait fait confiance au point où il pouvait faire n'importe quel genre de choses avec lui. But I'm just praying, God, please don't trust me so much. Mais je prie juste que Dieu ne me fait pas tellement confiance. Because how many of us can go through this kind of stuff? Nous pouvons passer par ce genre de situation. Do you see what I'm talking about? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? I mean, I love for God to trust me. Que Dieu me fasse confiance. But if this is what that trust will be, mais si c'est ce que cette confiance sera. See the thing, I'm even looking at this man Job. Même cet homme Job. And I'm seeing the character that he has. Et je vois le caractère qu'il a. God did not call him by the side. Dieu ne l'avait pas appelé de côté. You know how sometimes even when some things want to happen to you, the Spirit of God begins to tell you. Vous voyez comme parfois certaines choses veulent t'arriver, l'Esprit de Dieu commence à te dire. You begin to have that, your spirit begins to tell you that something is going to go west or east or whatever, what direction. Ton esprit commence à te dire quelque chose va prendre une autre direction. But Job, mais Job was never preempted. N'avait jamais été averti. He had no idea.
But these two beings, mais ces deux êtres, they stay in the background, se sont tenus en arrière-plan, and they are taking decisions, et prenaient des décisions, that is affecting his life, qui affecte sa vie. You know one thing I pray? Tu sais une chose que je prie? God, Dieu, may I never be a disappointment to you. Que je ne sois jamais une déception pour toi. If you trust me this much, si tu me fais confiance autant, may I stand, que je puisse tenir, in the day of my adversity, dans les jours de mon adversité, whether I understand or I don't understand. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. You know, in this part of the world, ouais, dans cette partie du monde, we like to understand why something has happened to us. Nous voulons comprendre pourquoi certaines choses nous sont arrivées. Prophète, dis-moi. Prophète, tell me. Pourquoi ma vie est comme ça? Why is my life like this? Excuse me. Pourquoi ta vie est comme ça? Why is your life like that? Who told Job? Qui avait dit à Job? Why his life was like that? Pourquoi sa vie était comme ça? Who explained it to Job? Qui l'avait expliqué à Job? Why his life was like that? Pourquoi sa vie était comme ça? We must learn to trust God. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. We don't have to understand everything before we trust God. Nous n'avons pas besoin de comprendre tout avant de faire confiance à Whatever Dieu. Whatever God says, quel que soit ce que Dieu dit, trust him. Fais-lui confiance. So, immediately, immédiatement, look at what that verse says. Regarde ce que ce verset dit. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job. Satan se retira de devant la face de l'Éternel et frappa Job. He didn't go and say, okay, let me call my other colleague angels for us to discuss. Il n'a pas dit, oh, que j'aille appeler mes autres collègues, les anges, pour que nous discutions. Immediately he got God's permission. Immédiatement qu'il ait eu la permission de Dieu. He moved in on Job. Il est allé vers Job. He struck Job. Et il a frappé Job. With a disease. Avec une maladie. The symptoms of that disease only resembles, I don't know, an incurable type of disease. Les symptômes de cette maladie ressemblent, je sais pas quel genre de maladie. Some form of skin cancer, I don't know. Un genre de cancer de peau, je ne sais pas. Maybe COVID, I don't know. Peut-être COVID, je ne sais pas. One thing I know. Une chose que je sais. They were both incurable. C'était que c'était incurable. And they are both incurable. Et est-ce qu'ils sont les deux sont incurables. The Bible says some kind of boils or blisters just broke out. You know, this is like a man who has suffered from HIV/AIDS in the advanced stage. Vous voyez, ça c'est comme quelqu'un qui a souffert de HIV d'un état avancé, d'un stade avancé. And Satan had no intention, et Satan n'avait aucune intention, that Job would ever be cured of this disease. Que Job soit guéri de cette maladie. Non. Non. He had no intention for that. Il n'avait pas d'intention à cela. Notice. Remarquez. We are going to notice. Nous allons remarquer. That after here. Que après ici. Satan will no more appear on the scene. Satan n'apparaîtra plus en scène. For the remainder of the book of Job. Dans le reste du livre de Job. We will not see Satan again. Nous ne verrons plus Satan. You know why? Tu sais pourquoi? He has already set in motion what he wanted. Il a déjà mis en mouvement ce qu'il voulait. The process is already on. Le processus est déjà en place. And that process was to terminate the rest of Job's life. Et ce processus était de mettre fin au reste de la vie de Job. In fact, this affliction was so terrible. En fait, cette affliction était tellement terrible that Job had to withdraw from life. Que Job devait se retirer de la vie. The Bible says he went and sat on a trash heap. La Bible dit qu'il est allé s'asseoir sur la cendre. Amongst the ashes. Dans la cendre. You see, as important as it is for us to understand this story, aussi important qu'il est pour nous de comprendre cette histoire, is this. C'est ceci. No matter what Job is passing through, peu importe ce par quoi Job est en train de passer, God is still in control. Dieu demeure au contrôle. This is
The most important part we need to understand about this story of Job. Ça c'est la partie la plus importante que nous devons comprendre au sujet de cette histoire de Job. Because parce que Satan would gladly have terminated Job's life. Aurait avec fierté mis fin à la vie de Job. But those were not the terms of agreement. Mais ça ce n'était pas les termes du contrat. Those were not the terms of negotiation. Ça ce n'était pas les termes de la négociation. God had decreed Dieu avait décrété that nothing must happen to Job's life. Que rien ne va arriver à la vie de Job. And that was how it was going to be. Et c'est comme ça que ça allait être. That's, let's look at that verse of scripture again. Regardons encore ce verset de l'écriture. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. This was the term. Ça, c'était le terme. You can do whatever you want. Tu peux faire quoi que ce soit que tu but veux. The terms of the negotiation says, mais les termes de la négociation disent, you must not take away his life. Tu ne dois pas ôter sa vie. Let me make this statement very clear. Que je fasse très clairement cette déclaration. And this would be the summary of all of our lives with God. Et ça, ce sera le résumé de toute notre vie avec Dieu. In everything that we shall pass through in life. Dans tout ce par quoi nous passerons dans la vie. That is the central point. Ça, c'est le point central. The decree of God. Le décret de Dieu. That is the central point. C'est ça le point central. The decree that God had given to Satan. Le décret que Dieu a donné à Satan is this. Est ceci. Touch everything about his life. Tout ce qui concerne sa vie. But you cannot kill him. Mais tu ne peux pas le tuer. But you cannot touch him. Mais tu ne peux pas le toucher. But you cannot shed his blood. Mais tu ne peux pas verser son sang. Do anything you want to do. Fais tout ce que tu veux faire. If we would succeed in this life, si nous devons réussir dans cette vie, we must never forget the decree of God. Nous devons jamais oublier le décret because de Dieu. At the end of the day, parce qu'en fin de compte, God Dieu is in charge of the world. Est en charge du monde. Look at the oceans. Regarde les océans. Look at the sea. Regarde les mers. Amazing wonder of God. Les merveilles de Dieu. Some weeks ago, was it last month, I was in Kribi. Le mois dernier, j'étais à Kribi. And I was just by the sea. Et j'étais juste près de la mer. It's amazing. C'est étonnant. By the sea, près de la mer, there are houses. Il y a les maisons. People are living there. Et les gens vivent là-bas. But watch this. Mais observe ceci. The waves will come. In full force. En pleine force. But when they come, mais quand elles viennent, they beat amongst themselves and they stop. Ça s'arrête. Who asked it to stop? Qui leur demande de s'arrêter? Why don't that water cross and go the other side? Pourquoi est-ce que ça ne traverse côté. That is the decree of God. Ça, c'est le décret de Dieu. When God created the earth, quand Dieu avait créé la he terre, placed the waters in its own limits. Il a placé les eaux dans leurs limites. And the water cannot go beyond its limits. Et les eaux ne peuvent pas aller au-delà de leurs limites. Whatever we go through in life, quel que soit ce par quoi, we must not forget nous ne devons jamais oublier that it is the decrees of God that matters. Not Satan, pas Satan, but God. Mais Dieu. Some years ago, I was in Dar es Salaam. Il y a de cela des années, j'étais à Dar es Salaam. And in Dar es Salaam, et à Dar es Salaam, I was taken to a park. À un parc. Where there are all these animals. Au zoo, où il y a tous ces animaux. Not to the zoo. Zoo, they are caged. Pas au zoo, ils sont encagés. Yes. Mais au parc. It's a park. And et you see these wild animals. Tu vois ces animaux sauvages. But I said to them, mais je leur ai dit, why is there no fence? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enclos? He says no. Ils ont dit non. The animals know their limits. Les animaux connaissent leurs limites. The reason why I asked why there was no fence, la raison pour laquelle j'avais demandé s'il n'y a pas d'enclos, is because people are living like this. C'est parce que les gens vivent comme ceci. And look at
the animals. Et regarde les animaux. So I said to them, et je leur ai dit, I know I have faith, oh, je sais que j'ai la foi, oh, but I can never live here. Mais je peux jamais vivre à cet endroit. Some lion will not get his ration of food one day in my stray into my house. Il y a un lion qui peut ne pas avoir sa ration alimentaire un jour il atterrit chez moi. Listen to me, church. Écoute-moi, église. God, Dieu, has placed decrees, a placé les décrets in this life, dans cette vie, and it is this decrees, et ce sont ces décrets that keeps us, qui nous donne, because life has limits, qui nous garde parce que la vie a les limites, and when we respect these limits, et quand nous respectons ces limites, when we respect these boundaries, quand nous respectons ces frontières, we don't have problems. Nous n'avons pas de problèmes. I say to the people of my household, je dis aux gens qui sont dans ma maison, I don't lock my door with key. Je ne ferme pas ma porte avec la clé. That's my bedroom. Ça, c'est ma chambre à coucher. There is no plaque outside that says don't come in. Il n'y a pas de plaque dehors qui dit non. But because life has limits, mais parce que la vie a des limites, don't come into my bedroom if I don't ask you to come. N'entre pas dans ma chambre à coucher si je ne te demande pas d'entrer. You respect that limit, tu respectes cette limite, everything is fine with us. Tout le monde, you step into my room when I don't ask you to come. Tu entres dans ma chambre quand je ne t'ai pas demandé d'entrer. The lion can eat you up. Le lion peut te dévorer. Life has limits. La vie a des limites. Because, parce que, they have their rooms. Ils ont leur chambre. I don't go to their rooms. Je ne vais pas dans leur chambre. I don't have anything to do there. It's not my room. Je n'ai rien à faire là-bas. Ce n'est pas ma chambre. If I have to go there, si je dois y aller, I knock on their door. Je toque la porte. I ask whether you are there. Et je demande si tu es là. And I ask if I can come in. Et je demande si je peux entrer. Life, la vie, has limits. A des limites. Because you see, parce que voyez-vous, even though they are my children that live with me, malgré fait que ce soit mes enfants qui vivent if avec moi, if I stumble into their room, I might see something that they don't want me to see, and it might affect me. Si j'entre juste dans leur chambre comme ça, je pourrais voir quelque chose qu'ils ne veulent pas que je voie, et ça pourrait les affecter. Life has boundaries. La vie a des limites. Don't violate the boundaries of life. Ne viole pas les limites de la vie. Don't break the limits of life. Ne brise les limites de la vie. When you do that, you're going against a law, a principle. Tu es en train d'aller contre un principe. God, Dieu, has given decrees. A donné des décrets. He says to Satan, il dit à Satan, you can touch Job, tu peux toucher Job, but you cannot kill Job. Mais tu ne peux pas tuer Job. And Satan, et Satan, it was in his interest, il était de son intérêt, even to do that. De le faire. All through in the word of God, tout partout dans la parole de Dieu, there are limits. Il y a des limites. There are decrees. Il y a des décrets. That God has placed, que Dieu a placé, for you and I. Pour toi et pour moi. In Isaiah 42, 43. Dans Isaïe 43. Verses 1 and 2. Verset 1 à 2. In fact, when you go back home, en fait, quand tu rentreras à la maison, just go and take time and read all of Isaiah 43. Va prendre ton temps et lis tout Isaïe 43. Look at what God says. Regarde à ce que Dieu a dit. Read it in French. Ainsi parle maintenant l'Éternel, yes, qui t'a créé, ô Jacob, yes, celui qui t'a formé, yes, ô Israël. Yes. Ne crains rien, car je te rachète. Yes. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Yes. Si tu traverses les eaux, uh-huh, je serai avec toi. Yes. Et les fleuves, yes, ils ne te submergeront point. Yes. Si tu marches dans le feu, yes, tu ne te brûleras pas. Yes. Et la flamme ne t'embrasera pas. That is a decree. Ça, c'est un décret. Life respects that. La vie respecte cela. The question is, la question est, do you understand that is for you? Est-ce que tu comprends que ça, c'est pour toi? Look at it in English. Regarde en anglais. It says, but now, O Jacob, listen to the Lord who has created you. O Israel, the one who formed you says, do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by your name. You think it's your mother, your father that gave you that name? Tu penses que c'est ton père, ta mère qui t'ont donné ce nom? God gave you the name. Dieu t'a donné le nom. Now watch this. Observe ceci. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burnt up. The flames will not consume you. Satan can take you through rivers of fire, rivers of difficulty, but God says, you are going to come out on top. Satan peut te faire partir par les rivières de feu, les rivières de difficulté,
Mais Dieu dit que tu vas sortir étant en haut. I remember Je me souviens the boys that were put in the furnace of fire. Les garçons qui étaient mis dans la fournaise de feu. They came out. Ils en étaient sortis. With no burns. Avec aucune brûlure. Listen to me, church. Écoute-moi, église. This God you serve. Ce Dieu que tu sers. Has placed limits concerning your life. A placé des limites concernant ta vie. When you read the rest of Isaiah. Quand tu lis le reste d'Ésaïe. It says because you are valuable. Because you are precious to me. Il dit parce que tu as de la valeur, parce que tu es précieux. That's why I say your life is sacred. Ta vie est sacrée. To God. À Dieu. Because you are precious. Parce que tu es précieux. That is why. Voilà pourquoi. God places a hedge round about you. Dieu a placé une haie tout autour de toi. And it's an injunction. Et c'est une injonction. I don't care how anybody hates me. Je me fiche de comment quelqu'un me déteste. You can't do nothing. Tu ne peux rien faire. Because parce que there is an injunction, il y a une injonction that God has placed. Que Dieu a placé. And this decree, et ce decree is there for me. Est là pour moi. Look at another one. Regarde l'autre. Isaiah 54. Ésaïe 54. Verse 17. Verset 17. Read that. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Did you hear that? Est-ce que tu as entendu ça? That is a decree. Yes. C'est un décret. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, yes. Tu la condamneras. Yes. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. This is your heritage. C'est ton héritage. As a citizen of Cameroon. You Cameroun. Have a heritage. Tu as un héritage. And God says, et Dieu dit, as a bona fide member of Zion, en tant que membre, this is your Zion. Heritage. Ton héritage. No weapon aucune arme that is formed against you shall succeed. Qui est forgé contre toi ne réussira. Decree. Décret. Only this time it's not by President Paul Biya. Mais cette fois-ci, ce n'est pas président Paul Biya. It's by the living God that created the heavens and the c'est earth. Pas le Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Listen. Écoute. He says, il dit, every tongue chaque langue that will rise against you, qui se lèvera contre toi, who should condemn it? Qui la condamnera? In other words, en d'autres termes, be bold. Sois courageux. Anybody toute personne that says anything to you qui te dit quoi que that ce soit, you don't like, que tu n'aimes pas, tell the person, dis à la personne, back to sender, retour à l'envoyeur. Don't keep quiet. Ne te tais pas. Because you are afraid. Parce que tu as peur. Even if that person tells you that he is in charge of all the witches in your village, même si tell him that that thing you have said back to you and your witches. I don't like it and it cannot stand against me. Même si cette personne I don't know where the church of God is. God has not put us on this earth helpless. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre sans aide. You have rights. Tu as you have decrees that are working for you qui travaillent pour in toi. Season and out of season. Attends et à contre-temps. And no matter what we are going through in life, hear me. Écoute-moi. Satan is not in control. N'est pas au contrôle. You and I, toi et moi, we need to understand that. Nous devons comprendre cela. Look at this. Regarde ceci. Isaiah 49, Ésaïe 49, 24, 24 to 26. À 26. Read it. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Yes. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Yes. Oui, dit l'Éternel. Yes. La capture du puissant lui sera enlevée. Wait. Who said yes? Qui dit oui? Who said yes? Qui a dit oui? Is it a man? Est-ce que c'est un homme? What was the question? Quelle était la question? It says, elle dit, who can snatch a plunder of war from the hands of a warrior? Who can demand that a tyrant let his captives go? Can that be done? Est-ce que cela peut être fait? You see a man who is a warrior. Tu vois un homme qui est un guerrier. You see a tyrant. Tu vois un tyran. Everybody is running away from tout it. Tout le monde fuit. Why do they run away? Pourquoi est-ce qu'ils s'enfuient? Because parce que nobody can approach a tyrant. Personne ne peut approcher when un tyran. When a warrior stands out. A warrior, un guerrier, he stands out se tient, like Goliath stood out, Goliath and all of Israel was running away because nobody could approach Goliath. God says, no. No. Read that, verse 25. Verset 25. Oui. What does he say? Qu'est-ce qu'il dit? Yes. La capture du puissant lui sera enlevée. Oh, ma santa lira la bouche. Et le butin du tyran lui échappera. It says the captive of the warrior can be released. And not only that, continue. Pas seulement cela. The plunder of the tyrants will
will be retrieved. Le butin du tira lui échappera. Why? Pourquoi? Look at God's decree. Regarde au décret de Dieu. I will fight those that fight you. Aïe, 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 je combattrai ceux qui te combattent. No, I don't feel like this church is alive today. Je n'ai pas le sentiment que cette église est vivante aujourd'hui. You're not behaving like this your God stands for you. Ce ne serait pas, tu ne te comporterais comme ce ton Dieu là se tient pour toi. God says. Je dis, I am going to fight every person that fights you. Je combattrai toute personne qui te combat. Can I tell you something? Est-ce que je peux te dire une chose? I feel sorry for any person that fights me. J'ai pitié de toute personne qui me combat. I don't know about you. Je sais pas ce qu'il en est de toi. Because parce que when you fight me, quand tu me combats, no, you are only seeing a weak woman. Tu es en train de voir juste une femme faible. But when you fight me, mais quand tu me combats, you're not fighting me, you are fighting God. Tu n'es pas en train de me combattre, tu es en train de combattre Dieu. God says anyone that fights you, Dieu dit que toute personne qui te combat, I will fight him. Je vais la combattre. And not only that, et pas seulement cela, I will save your children. Je sauverai tes fils. Anyone that fights my children, toute personne qui combat mes enfants, oh, you have just dead God. Oh, juste tu as tenté Dieu. And that's why God says, ce mot final dit, that verse 26 is hard. Hear what God says. Écoute ce que Dieu dit. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Somebody said decree. Que quelqu'un dise décret. Number 49. Numéro 49. 26. Verset 26. Aïe, papa, 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 papa. That is a decree from God. Ça, c'est un décret de Dieu. Keep reading. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout. Yes. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, yes, ton Rédempteur, yes, le Puissant de Jacob. And all will know that I am the Lord. He can be the Lord, but now he personalizes it. You are Savior. Il peut être l'Éternel, mais maintenant il personnifie. When you find yourself before an oppressor, quand tu te retrouves devant un oppresseur, and you're saying, et tu es en train de dire, I have nobody, je n'ai personne, that is because ça, c'est parce you que don't know your decree. Tu ne connais pas ton décret. You have a savior. Tu as un sauveur. He will save you. Il te sauvera from every warrior. De tout he will save you from every tyrant. De tout tyran. He will save you from every wicked man. De tout he will méchant. Save you from every wicked force. De tout he will save you from whatsoever. De quoi que ce soit. Because parce que that is the decree of God. C'est ça le décret de Dieu. Listen. Écoute. Listen. Écoute. We need to understand. Nous avons besoin de comprendre. And we need to know this one truth. Et nous devons connaître cette vérité. No matter peu importe what goes wrong in your life. Ce qui tourne mal dans ta vie. No matter peu importe the things you see in your life. Les choses que tu vois dans ta vie. Know this. Sache ceci. Satan. Satan is not in control. N'est pas au contrôle. God Dieu is in control. Est au contrôle. Did you hear me? Est-ce que tu m'as entendu? No matter what you sleep and you wake up and you see happening in your life. Peu importe ce que tu t'endors, tu te réveilles, tu vois ce produit dans ta vie. Satan is not in control. Satan n'est pas au contrôle. God is in control. Dieu est au contrôle. Everything Satan does, toute chose que Satan fait, he is working. Il est en train he de needs travailler. Permission. Il a besoin de that permission. Means ça veut dire he que is not the final boss. Il n'est pas le patron final. You see, if one thing I like Cameroonians, si il y a une chose que j'aime par rapport aux Camerounais, when a Cameroonian gets to a place, quand un Camerounais arrive à un endroit, even if the boss has left instructions, même si le patron a laissé les instructions, to tell you, de te dire, Cameroon say no. Le Camerounais dit non. He will do everything to go and see that boss by himself. Il fera tout pour aller lui-même voir ce patron. Sometimes it works. Parfois ça marche. Sometimes it doesn't work. Parfois ça ne marche pas. In this case, dans ce cas, it works very well. Ça marche très bien. Satan, Satan may be doing things, pourrait être en train de faire des choses, but he's not in control. Mais il n'est pas au contrôle. He's not the powerful one. Il n'est pas le plus puissant. God, Dieu, is in control. Au contrôle. Who owns the world? À qui appartient le monde? Who owns the world? Qui est le propriétaire du monde? Who holds the world? Qui tient le monde? Who created the world? Qui a créé le monde? Who made everything in the world? Qui a fait tout dans le monde? So if we keep talking about Satan, we are saying that God has relinquished power to Satan, and that will never happen. Si
nous continuons à parler de Satan, ça veut dire que Dieu a relâché le pouvoir à Satan et ça, ça ne se produira jamais. God is in control. Dieu est au contrôle. Everything may seem like it's out of control. Tout pourrait être avoir l'air d'être hors du contrôle. But no. Mais non. God. Dieu is in control. Est au contrôle. God. Dieu has always been in control. A toujours été au contrôle. And God will continue to remain in control. Continuera à demeurer Even au contrôle. Though Job's life is going down. Même comme la vie de Job est en train de s'effondrer. Even though Job has lost everything. Même comme Job a tout perdu. Even though Job has cancer. Même comme Job a le cancer. God Dieu is in control. Est au contrôle. I remember this year that I was sick. Je me souviens de cette année où j'étais malade. And I was in the hospital. Et j'étais à l'hôpital. I just collapsed. Je m'étais juste écroulé. And I passed. And they took me to the hospital. Et on m'a amené à l'hôpital. One of my pastors came to see me. L'un de mes pasteurs était venu me voir. So when he was going, et pendant qu'il partait, he wants to pray for me. Il voulait prier pour moi. And this was his prayer. Et voici sa prière. Oh God. Oh Dieu. We are not ashamed that our bishop is sick. Nous n'avons pas honte que notre évêque soit malade. I said, pastor, wait first, stop that prayer. Pasteur, attends, arrête cette prière là. Shame because I am sick. Honte parce que je suis malade. What is there to be ashamed of? Qu'est-ce qu'il y a là d'avoir honte? Listen. Écoute. You may be sick. Tu pourrais être malade. Until your bones are cracking. Jusqu'à ce que tes os soient en train de craquer. Satan is not in control. Satan n'est pas au contrôle. God is in control. Dieu est au contrôle. And so there is nothing to be ashamed of. Il y a there is nothing to honte. Be embarrassed. You may go through the worst challenge in life. Tu pourrais passer par les défis les plus pires de la vie. There is nothing to be ashamed of. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Bow your head down and worship your God. Baisse ta tête et adore ton Square Dieu. Square your shoulder and say, Satan, no matter what, you still have not won. Place tes mains sur ton... Because God is in control. Parce que Dieu est au contrôle. There is nothing you go through in life. Il n'y a rien par quoi tu as as a child vie, of God, en tant qu'enfant de that Dieu, that you should be embarrassed. Et que tu devrais t'embarrasser. If you are embarrassed, si tu es embarrassé, you are saying, tu es en train de dire, Satan, Satan is in charge. Est en charge. Hear me today. Écoute-moi aujourd'hui. Satan has never been in charge. Satan n'a jamais été en charge. And he will never be in charge. Et il ne sera jamais en charge. You know when he moved to kill Jesus? Ouais, quand il avait agi pour tuer Jésus. Satan thinks. Satan pensait. Oh, we have made it. Oh, nous avons réussi. We struck it hard. Nous l'avons frappé dur. Little did he know. Il ne savait pas. He was serving God. Il servait Dieu. And this is why you've got to understand. Et voici pourquoi tu dois comprendre. You might wake up one day. Tu pourrais te réveiller un jour. And everything is gone. Et tout est parti. God. Dieu is in control. Est au contrôle. It's only us Pentecostal Christians. Ce n'est que nous. That a Christian is sick. Un chrétien est malade. And a Christian dies. Et un chrétien meurt. And we stop coming to church. Et nous cessons de venir à l'église. That's flimsy Christianity. Ça c'est la chrétienté légère. Flimsy. Très légère. Whether somebody dies or is alive, God is in control. Que quelqu'un meure ou qu'il soit vivant, Dieu Satan has never been in control. Satan n'a jamais été au contrôle. And if everything we go through, et si tout ce par quoi nous passons, remember this fact, nous nous souvenons de ce fait, the decrees of God, les décrets de Dieu, you will get to know. Tu arriveras à savoir. You may be bowed down by needs. Tu pourrais être submergé par des besoins. That is because God is in control. Ça c'est parce que Dieu est au contrôle. Never lose fact. Ne perds jamais les faits. Never lose fact. Ne perds jamais les faits. Because parce que that is a fact. Ça c'est un fait. And you can take it to the bank. Et tu peux l'amener à la banque. And it will serve you. Et ils peuvent te servir. Rise up on your feet. Mets-toi debout. Say gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Toujours, oh Seigneur, gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. J'étais malade et tu m'as recouru, Seigneur. Tu m'as guéri et tu m'as élevé, Yahweh. Oh. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi. J'étais malade sans secours, oh Seigneur. Tu m'as guéri et pour te louer, oh
gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh Yahweh. Je suis fatigué par les problèmes, Seigneur. Tu m'as ravivé pour te louer, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh Yahweh. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh Yahweh. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Tu es puissant pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Gloire à toi pour toujours, oh Seigneur. Oh, gloire à toi, gloire à toi, oh. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh Yahweh. Gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Pray with me, say, I know, oh God. Prie avec moi, dis, et tu dis, je sais, oh Dieu. That you are in control of my life. Que tu es au contrôle de ma vie. Therefore, alors, though I sit among the ashes, malgré le fait que je sois assis sur la cendre, I will glorify you. Je te glorifierai. In the name of Jesus, au nom de Jésus, lift up your voices and begin to make that confession to yourself. Élevez-vous pour commencer à faire pray this prayer. God, no matter where I find myself in life, my goal is to glorify you. My goal is to worship you. My desire is to praise you. Is to worship you. No matter what happens to me, God, I will worship you. God, I will praise your name. God, I will worship you in spirit and in truth. Help me never to question you. Help me never to question your authority, your authenticity, your integrity, your sovereignty. Help me, oh God, even as I pledge today that no matter what I find, what I go through in life, no matter where I find myself, oh God, I will always worship you. I will always praise your name. I will always lift you up. I will testify of you. I will talk of you. So help me, God. In the name of Jesus. Garantis-toi, j'ai mis ma confiance, Yahweh. Garantis-toi, j'ai mis ma confiance. Oh, j'ai mis ma confiance, Yahweh. J'ai mis mon espoir, Yahweh. En toi, j'ai mis mon espoir. En toi, j'ai mis mon espoir, Yahweh. En toi, j'ai mis mon espoir. En toi, j'ai mis ma confiance, Jésus. En toi, j'ai
God, my Father. Oh Dieu, mon Père. I declare today. Je déclare aujourd'hui. That all I have. Que tout ce que j'ai. And all that I am. Et que tout ce que je suis. Are yours. T'appartiennent. And you will perfect them for me. Et tu les parfairas pour moi. In the name of Jesus, au nom de Jésus, lift up your voice. Élève ta voix. I might not be what I have to be, Lord, je pourrais pas être but I hand me to you. Mais je te cède everything cela. That I have may not be sufficient, oh God, tout ce que j'ai but they belong to you. Mais cela t'appartient. And so I pray, Lord, alors je prie, perfect Daniel, all that I have and perfect all that I am. Et parfait tout that ce que forever, je Lord, I'll remain a veritable vessel in your hands, vérité, an instrument of worship. I come before you today, oh God, and I say and I declare that all that I have and all that I am, oh God, they are yours. Perfect it, oh God. You say you will perfect everything that concerns me, Lord. Move in my life. Work for my favor, oh God. Do things in my favor, oh God. Negotiate in my favor, Lord. Because all that I am is yours. And because all that I have is yours. As you negotiate, oh God, every day of my life, work everything out for my good, Lord. Perfect my life. Does somebody pray for himself tonight? Is somebody talking about his destiny tonight? About his future tonight? About his future? Is somebody talking to God about his life? Say, God, God, perfect my life. Everything that concerns me, oh God. Everything that concerns me, Jesus. Perfect it. Perfect it. Work for my good. In the name of Jesus. Say, Heavenly Father, perfect the foundations of my life. Rends les fondations de ma vie parfaites. Where they have been destroyed, oh God. Là où elles ont été détruites, oh Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You know, the word of God says, vous voyez, la parole de Dieu dit, if the foundations, si les fondations are destroyed, sont détruites, ask God today, demande à Dieu aujourd'hui, to perfect the foundations of your life. De parfaire les fondations de ta vie. Where they have gone faulty. Là où elles ont été fautives. Where they have gone wrong. Là où elles n'ont pas été bien posées. Only him, God, lui seul Dieu, can correct them. Peut les corriger. Look at your life. Regarde ta vie. Look at your family. Regarde ta famille. Look at your children. Regarde tes enfants. And say, Heavenly Father, et dis, Père céleste, perfect the foundations of my life. Rends parfaites les fondations de ma vie. Where they have been destroyed, oh God. Là où elles ont été détruites, oh Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Begin to talk to your God. Commence à parler à ton Dieu. Anything that is faulty in my foundation, God. Toute chose qui est faute. Anything dans ma fondation. That is not working right in my foundation, toute chose, oh God, qui ne marche pas comme il faut dans ma fondation. Only you, God, can see the foundations of my life. And only you can correct it. Only you can redress it. Only you can adjust it, oh God. And so we wait on you, God, that you perfect our foundations. That you perfect my foundation. Where I stand, oh God. My foundation, oh God. From my father's side. From my mother's side. Lord, perfect my foundation. Even as you lift me, oh God, and position me in the foundations, even the foundations of Christ Jesus, my rock. The dependable God, the reliable God, the one that will do what he says he will do. Perfect my foundations, oh God, that I will walk right, that I will live right, that I will rise right, that I will become who you say I am, that I will fulfill the purpose for which you assigned, you mandated for me, that I will accomplish the agenda that you set out for me. So help me, God. So help me, Jesus. So help me, Holy Ghost. In the name of Jesus, I am under the rock.
The rock is higher than I. Jehovah hides me under the rock. God tell my enemies, I am under the rock. Jehovah hides me under the rock, I am under the rock. The rock is higher the than rock I. Is higher than I. Jehovah hides me under the rock. God tell my enemies, God tell my enemies, I am under the rock. Jehovah hides me under the rock. Possessions, oh God. Protège mes possessions, oh Dieu. My businesses. Mes affaires. My wealth. Ma richesse, my finances. Mes finances. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift up your voices. Élevez vos and begin to talk to God. Et commencez à parler everything à Dieu. Is up for negotiation. Tout est là pour la négociation. Protect, oh God, my possessions. Protège, oh Dieu, mes possessions. My businesses. Mes affaires, my wealth. My finances, my children, mes enfants, protect, oh God, protège, oh everything Dieu, that I am, everything suis, that I have, tout ce que j'ai, protect them, oh God. Oh I bring them before your throne. I release them to you, oh God. Preserve Dieu. My possessions, possessions, all that I am, and suis, all that I have. Tout ce que protect them, Lord. Protège preserve them, Lord. Lift up your voices and call those things. And ask God to protect them. The business you have just started, ask God to protect it. Your family, your children, my health, my wealth, talk to God. Santa libro cosheke la baba baba. In the name of Jesus, au nom de Jésus. You be God, you know, be man, no. You be God, you know, be man, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you be God, you be God, Jehovah Adonai, Jehovah Adonai, Jehovah Adonai, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Elohim, Jehovah Elohim, Jehovah Elohim, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, tu es Dieu, tu n'es pas Seigneur.
King of Kings and Lord of Lords, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, we acknowledge tonight, nous reconnaissons ce soir, that indeed you are God, qu'en vérité tu es Dieu, and you are not a man, et tu n'es pas un homme. Have you said and shall you not do? As-tu dit et ne l'as-tu pas fait? We pray, O God, nous prions, O Dieu, that throughout this month, que pendant ce mois, as we wait on you, pendant que nous nous attendons in this à toi, retreat, Lord, dans cette retraite, Seigneur, that you will hear us, que tu nous écoutes, and that you will answer us, et que tu nous that you will meet us at the point of our needs, que tu nous touches au point de nos that besoins, you will speak to us, que tu nous parles, that you will reveal yourself to us, que tu te révèles en your nous, plans, your purpose, your agenda, tes plans, tes buts, ton agenda, for you are God, and you are Dieu, not a man. Et tu n'es pas un homme. And we consider it of utmost privilege, et nous considérons comme un grand privilège, that as mere mortals as we are, que, en tant que mortel, we can nous sommes, sit on the same table with you. Nous pouvons nous asseoir sur la même Holy table avec Spirit toi. Of God, Saint-Esprit de Dieu, we have done 5 days, nous avons fait 5 jours, and we've still got more time in your presence. Nous avons encore plus de temps dans ta présence. Continue to speak to us, continue à nous parler, and continue to give us wisdom, et continue à nous donner la sagesse. For you say in your words, car tu dis dans ta parole, that wisdom is the principal thing. Que la sagesse est la chose principale. And so give us the necessary wisdom, Lord, donne-nous la sagesse nécessaire, that will Seigneur, help us to navigate the season, qui nous aidera to à naviguer our place dans la of purpose, pour nos to lieux our de but, place that you have ordained for us. Pour le lieu que so tu as help pour us, nous. God. Alors aide-nous so Dieu. Help us, Jesus. Alors aide-nous, Jésus. So help us, Holy Spirit. Alors aide-nous, Saint-Esprit. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, and the Church prié. Of God says, et l'Église de Dieu dit, let's share the grace together. Rendons la grâce ensemble. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I'll dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen.